Tabanatanam. Salut. On est de retour. Oui. Nous avons pris le temps. Oui, oui, quand même, ouais. Ouais, on a pris le temps quand même, quoi. Et on voulait pas trop vous traumatiser avec notre changement de décor. Ouais. Ouais, voilà. Donc on a fait une vidéo le soir comme d'habitude. Donc nous avons une nouvelle table. On démarre tranquille. Voilà. On démarre tranquille. Non, mais il faut quand même leur expliquer. Nous avons donc une nouvelle table. Ah oui. Toute belle. Nouveau décor. Nouveau décor. Une table qui respire sans toile cirée. Je pense qu'elle a toujours connu une toile cirée, cette table. Ouais, c'est vrai, on l'a sauvée, c'est une table qu'on a sauvée de la toile cirée. Exactement. Ouais, elle a subi la toile cirée. Elle a subi la toile cirée pendant plusieurs décennies. Ouais, oui, c'est, ouais, voilà. Je crois que ma mère l'a toujours connue, voilà, la table. Aujourd'hui, elle respire sans masque. Ouais, sans masque. Donc, bon, on va la verbaliser. Ensuite, nous avons encore un autre décor. Ah, ouais. Le Lydie et Eric, ouais, fait en guirlande de la part de Clémence. Elle nous a fait aussi, parce qu'on a fait un petit tour quand même. Ouais. On n'était pas là, mais on est allé, on n'est pas resté dans une grotte enfermée, malgré la barbe qui pousse, moi les cheveux. On n'est pas resté enfermé, comme vous pouvez le constater, parce qu'on, ouais, voilà, on a pris un peu de forme. On a profité un peu. On a arrondi les angles. Voilà. On a bien arrondi. Donc du coup, voilà, donc on a vu Clémence, on a vu, on a fait un peu le tour, donc on a vu aussi Loutinius de la chaîne d'Autonomie, ouais, du même nom. Mais Clémence, c'est de la Clémence, oui, bah après, je sais pas s'il faut qu'on le dise, mais on le dit quand même. C'est la fille de la chaîne de la Père Machine de la Perchine. Voilà. Voilà, donc au pire, on mettra quand même les liens. Oui, oui, on mettra. On va les essayer. Liens, on a vu Damien aussi au passage. Chaînes, on a vu, voilà, ouais, on a vu des gens, ça a fait du bien. Et donc Clémence nous avait fait aussi ce super dessin qu'on ne peut pas accrocher maintenant, désolé Clémence, comme on te l'avait dit, parce que derrière, en fait, si vous voyez, c'est une chatte licorne. Et derrière, il y a un sapin de Noël. Donc, du coup, c'est une décoration de Noël. C'est la chatte licorne de Noël. Voilà. Donc, voilà. Donc, merci encore, Clémence. Et franchement, reste comme tu es, c'est génial. Pourquoi on a baladé? Voilà, parce que on en avait parlé un petit peu l'année dernière. Oui, et là, on a. On c'est... avait en projet d'avoir une camionnette pour bouger, quoi. Et donc, là, on a la cabane mobile. Voilà, là, on a la camionnette, ça y est. La cabane mobile. La cabane mobile. Voilà, c'est la cabane mobile. On a aussi un nouveau chat. Oui, on a un nouveau chat aussi. Que vous verrez... Il est pas comme l'autre. Ouais. Non, pas du tout. Donc on l'a appelé Cambouis. Ouais. Voilà, on a un nouveau chat, c'est Cambouis. Il nous au a début, choisi. Il s'appelait Blanco au début. Au début, il était Blanco. Mais depuis, il dort sous la voiture. Du coup, il s'appelle Cambouis. Donc nous avons la cabane mobile et on en a profité du coup pour balader un voilà, peu. Donc c'était le début parce qu'on a juste commencé un petit aménagement très très sommaire. Du camion et on vous montrera peut-être camion, les aménagements voilà, quand on va l'aménager. On va faire ça un peu plus sérieusement. Et on va vous le montrer en vidéo, bien sûr. Oui, voilà, bien sûr. Ensuite, oui, pour pouvoir partir faire des rencontres. Voilà, donc le but, alors, c'est de faire des rencontres. Oui, monsieur. D'aller à la rencontre de... Des gens, d'humains, vivant sur cette terre. D'humains avec aussi des savoir-faire. Alors... Il y a un projet voilà, dans le domaine de l'autonomie, voilà, bien sûr. Dans le domaine de l'autonomie, donc l'autonomie c'est quand même vaste comme domaine. Je pense qu'on va faire une petite série sur l'autonomie là, parce que on va essayer d'éclaircir certains points voilà, qui nous paraissent importants à nous. Peut-être que ça va vous servir à rien à vous, voilà, mais au moins on aura dégrossi peut-être un peu ce qu'on pense nous de tout ça. On va un peu philosopher. Voilà, on va un peu philosopher sur le sujet. Voilà. Et on voulait partir à l'encontre de gens, et de gens avec des savoir-faire. Donc là, après, il va falloir que, quand on partira, on vous fera le savoir via la chaîne, où je vais peut-être créer un autre compte sur des trucs... Il y a déjà le Facebook, mais voilà. D'ailleurs, en parlant de Facebook, on tient à remercier ceux qui savent un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec le confinement, tout ça. Je tiens à remercier déjà tous ceux qui ont pris des nouvelles via le mail de la cabane, le Facebook de la cabane, sous les vidéos de la cabane, parce qu'il y a eu des commentaires aussi. Enfin, il y a eu du monde un peu de partout qui ont demandé aussi à d'autres youtubeurs comment on allait, donc c'est, ça fait vraiment plaisir. Donc on est toujours vivant. Donc nous sommes toujours vivants. Mais voilà, donc merci. Du coup, voilà, je m'embrouille en fait, ça fait 3 mois, c'est trop long. Donc merci à vous déjà d'avoir pris des nouvelles. Merci aussi pour mamie, hein, comme on avait dit, voilà. Merci pour mamie. Donc, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps aussi de faire des vidéos. Le temps de se... Parce que c'était complexe, on va dire. Ensuite, merci... oui, désolé aussi. Après, je dis merci, mais désolé. Les mails que vous avez envoyés, je ne vais pas y répondre. Il y en a trop, les gars. Vous êtes fous. Donc je peux pas... Dans ma conscience, je peux pas répondre à un et pas aux 10 autres. Donc c'est pas possible. Et comme vous savez, c'est moi qui me charge de répondre aux mails. Hein,
Voilà. Mais je sais pas écrire. Non, 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 non. Il sait faire du photovoltaïque, mais c'est tout. L'escroc. L'escroc de base. Donc voilà, donc merci. Et merci aux tipeurs aussi, je sais pas si je l'ai dit. Ouais, merci aux tipeurs. Qui ont continué de donner malgré l'absence, ça fait plaisir. Ensuite, ben, on va faire plusieurs vidéos aussi. Ouais. En préparation. On leur lance un peu des petits spoils de vidéos. Ouais, bah allons-y, c'est parti. Mais y a pas de vidéo à regarder, y'a rien là. Allez, vas-y, lâche-toi. Ben, on va faire un petit point annuel sur le photovoltaïque, bien sûr. Les avancées dans la maison aussi, on a bien avancé donc la cuisine. Donc dès que c'est fini, on vous fait une vidéo. Voilà comment on a fait ça à notre sauce, on va dire. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas fait de vidéo. Et de manière autonome. Ouais, en tout cas, voilà, c'est tout fait, tout fait sur place. Quoi. Tout fait sur place, mais on n'a pas filmé. Mais non, mais on va pouvoir filmer quand même. Non, mais on n'a pas filmé la mise en œuvre. On va vous montrer comment on a arrangé. Ce qu'on peut faire, voilà, avec très peu de moyens. Matériaux qu'on a choisi, très peu de moyens. Peut-être quoi que la cuisine, ça commence à chiffrer quand même. Hein. Mais bon, ça va, c'est pas une cuisine à 10 000 euros. On vous aime. Voilà. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est une cuisine, ça vient pas de. C'est du sur-mesure en plus, attention, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, par contre, c'est du sur-mesure. Avec du vrai bois. Avec du vrai bois, ouais. Avec du vrai bois d'arbre. Ouais, pas du vrai bois mélaminé. Non. Non. Oui, parce que pour nous, c'était un peu contradictoire de faire une maison en bois et de tout mettre en mélaminé, nous, on n'y arrivait pas, quoi. Hein. Pourtant, on n'avait pas forcément les moyens pour la cuisine. Ouais, parce que sur le marché, déjà, tout ce que, si on veut, comment dire, partir sur du standard. La plupart des caissons, ça, voilà, c'est du bois reconstitué en mélaminé ou en stratifié. Donc du coup, on s'est dit, on va tout faire. Ouais, on va tout faire. Et c'était bien. Moi, je me suis régalé. J'ai fait plein de trucs. Quand il n'est pas là, je me régale. Vous dites, il y a quelqu'un qui le veut. Petite précision aussi, par rapport aux mails qu'on reçoit, on vous montre notre installation. On n'est pas des professionnels. On ne peut pas conseiller les gens sur du matériel qu'on ne connaît pas. Non, parce que c'est très important, on nous pose beaucoup de questions, on essaye d'être au plus clair dans les vidéos, mais on ne peut pas faire du cas par cas, c'est juste pas possible. Et au pire, il vaut mieux le mettre en commentaire plutôt qu'en mail privé pour que ça serve à plus grand nombre. Et ça nous évite à nous de répondre 15 fois à la question. Ouais. C'est aussi un travail, c'est un travail un peu de la communauté, là. C'est-à-dire, si vous posez une question, il n'y a pas de questions con dans tous les cas, il n'y a que des questions utiles. S'il y a une question, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, donc vous n'êtes peut-être pas le seul. Donc posez-le plutôt en commentaire. Les mails, on fait pas ça, c'est pas notre métier. Ouais. Donc, parce qu'en commentaire, on essaye de lire tous les commentaires, enfin, en général on les lit tous. Sauf ces trois derniers mois, je tiens encore à m'en excuser. Oui, voilà. Et du coup, en général, on va, par exemple, des fois on va s'inspirer de commentaires pour traiter un sujet qu'on n'aurait pas traité. Voilà. Donc nous, ça nous, du coup, ça nous aide, et puis voilà, parce que... Et ça va aider d'autres. Il y a des sujets auxquels on n'aurait pas pensé. Parce que... Domaine précis. Mais par exemple, je parle surtout, c'était surtout par rapport aux installations photovoltaïques, là, c'est pour ça. Après, répondre à tous, ça devient compliqué, parce que ça devient du cas par cas, et c'est pas notre métier. Donc on peut répondre dans la limite du possible, mais... sinon on va faire payer, tiens. Non, voilà, mais en général, voilà, on essaie de répondre dans la mesure du possible. Voilà. Dans la mesure du possible, mais autant répondre au plus grand nombre, plutôt que de répondre à une personne, ça nous arrangerait quand même. Après, sinon, les messages de comment on va, tout ça, pour des trucs, si on doit passer, par exemple, si vous avez vu pour la cabane mobile, si vous voulez qu'on passe par chez vous, si vous avez un terrain plat où on peut garer le camion, et que vous avez envie de faire une vidéo avec nous, montrer ce que vous savez faire, pas forcément, ça peut être un truc tout con, mais... je sais pas, vous avez un four à pizza, vous faites des pizzas, nous on arrive déjà. Il faut dire la vérité. On arrive. Voilà, on arrive direct, demain on est là. Non, parce que on a toujours arrêté de fumer également, d'où... C'est pour ça qu'on a doublé de volume. Voilà, toi ça se voit moins quand même. Hein. Tout est sous la table. Voilà, moi non, c'est un peu de partout. Donc on a arrêté de fumer, on a arrêté juste avant le confinement, donc ça commence à faire quelques mois déjà. Quoi. Ouais. Donc, du coup, un conseil au niveau de l'autonomie, planter du tabac plutôt qu'arrêter, hein, franchement. Ah non, on peut pas produire tout ce qu'on mange quand on arrête de fumer, c'est pas possible. C'est sûr. On n'a pas arrêté. Après, honnêtement, ça n'a pas été que des trucs sur l'autonomie. Les trois premiers jours, ça a été des bonbons.
Ah oui, c'est on s'est fait une razzia bonbon, on s'est dit ah c'est pas souvent, on n'est pas très bon tous les deux en plus. Bah non. Non, on est plutôt chips. Ouais. c'est plutôt l'apéro. Donc là, on s'est fait une razzia bonbon. Donc non, planter du tabac. Non, je rigole, pour la santé, non, franchement, ça fait du bien. Et voilà, vous donnez pas beaucoup de. Enfin, vous donnez moins de pognon à l'État également, parce que faut savoir que c'est quand même beaucoup de taxes, un paquet de tabac. Autant planter du tabac si vous fumez, franchement, tentez l'expérience parce que. Oui, alors oui, à propos, bon, c'est juste une petite parenthèse, tout le monde a le droit de cultiver du tabac pour sa consommation personnelle, c'est dans la loi, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, et ils vendent des graines. Si vous avez du mal à arrêter, bah, déjà, fumez plutôt du tabac que vous cultivez, il y aura zéro produit dedans. Vous savez comment il est voilà, fait, mais bon, c'est pas pour pousser la consommation. C'est pas pour pousser la consommation, arrêtez, mais plutôt que d'acheter, franchement, faites pousser du tabac, vous avez le droit. Voilà. Pour ouais, votre consommation personnelle, vous n'avez pas le droit de le vendre. C'est juste une information, parce qu'il y a peu de gens qui le savent. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont autorisées en fait dans la loi et on croit que c'est interdit en fait. Voilà. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour dire qu'on était de retour, on vous en fera d'autres. Voilà, en fait. Hein voilà. En fait. Bon allez, à bientôt sur la cabane de Notre-Dame. Ciao, à bientôt. Vous n'avez pas la suite, mais après ça fait. Ta-da, ta-da. Eh oui, c'était un long morceau. Ta-da.